Donc là, nous sommes en route pour le salon du cheval de Paris. Ok, on n'est pas allé. Moi j'étais allée une fois en 2015. J'avais même pas vlogué. Putain, c'était l'époque où je ne vloguais pas systématiquement les événements. C'est quand même le lien de la vidéo que cette petite dame elle avait fait. Tout à fait. À cette époque épique. Du coup, après cette édition, on avait dit qu'on n'y remettait plus jamais les pieds. On boycotte. Parce que. Parce que c'est tellement un peu sportif, parce que... Mais parce que pas d'âne quoi. Pas d'âne, pas de... pas d'âne. Il nous avait dit, le salon prend un tournant résolument sportif, il n'y aura donc plus d'âne au salon du cheval de Paris. Partant là, on avait boycotté. C'est ça. 4 ans plus tard... Les meufs, non, nous ne tiennent pas du tout leur... Nous y revoilà. À cause de Victoire. Si Victoire travaille et au salon là actuellement, du coup, elle nous a... supplié. Un petit peu forcé la main. Oui, venez me voir, ça fait longtemps, ça va être bien. Puis bon, moi, on me propose, viens, on va passer un week-end sympa. On ne peut pas dire non, quoi. Donc on va dire que cette édition, c'est l'édition du test. Ouais, on ça. Va voir si le salon remplit les critères. On arrive à y trouver notre bonheur, notre amour des poneys. Et mamie, on touche au but. Oh, un petit poney. Ah, ça pourrait montrer que t'es sur la route, ils balisent avec des poneys. C'est trop bien.
ne sais pas si on verra quoi que ce soit, ce qui fait un petit peu nuit. Du coup, au final, on a quand même passé une bonne journée. Donc je pense qu'à ce niveau-là, on peut dire qu'on est contente. Oui. Oui. Au niveau où on n'est pas contente, c'est qu'il n'y avait pas d'âne. Il n'y avait pas d'âne du tout, du tout. Nul. Il y avait des peintures d'âne, il y avait des sculptures d'âne, il y avait âne. Mais il n'y avait pas d'âne. Non, ça c'est trop trop nul et on sait pas pourquoi. Enfin, c'est franchement dommage d'avoir si peu de diversité dans un salon qui est quand même dans une si grande ville quoi. C'est vrai que là du coup niveau diversité, mine de rien ça manquait pas mal je trouve. Au niveau des démonstrations et tout, il n'y avait pas tant que ça de choix au final. Il y avait en gros c'est son spectacle quoi. C'est ça, il y a eu le concours de spectacle Equistar. Ouais, Equistar. À la fin, ça c'était très très chouette et ça faisait du bien de voir un peu autre chose. Mais sinon, c'est vrai qu'à part ça, il y avait un tout petit peu le western et sinon c'était que du CSO quoi. Il y a eu juste les kiffils le matin très tôt quand il n'y avait personne. Mais par contre, au niveau des stands, c'est clair que là on est quand même bien servi. On a pu trouver plein de trucs qu'on ne cherchait absolument pas à la base. C'est faux. C'est toujours comme ça. On n'a pas trouvé ce que moi je venais chercher à la base. Mais bon, dans l'ensemble on a quand même passé une bonne journée, c'était chouette. On y retournera peut-être pas tous les ans. Ouais c'est ça en fait. Enfin, faut avoir un petit... T'es content d'y aller une fois de temps en temps. Ouais c'est ça. Tous les ans tu tournerais en rond en fait. C'est ça. Oui. Je sais pas, ouais. Ça fait beaucoup d'efforts pour renouveler tous les ans. Je pense que ouais, l'année prochaine on ira dans d'autres salons plutôt. Après oui, pourquoi pas une fois de temps en temps, c'est sympathique. Sinon, allez voir l'autre vlog qu'on a fait aujourd'hui, qui n'est pas sur la chaîne de Anne, mais qui est sur notre chaîne collaborative du Club Hippique. Parce que comme on était toutes les deux présentes au salon, on en a profité pour filmer vraiment tout ce qu'on a vu de hippie au Salon du Cheval de Paris. C'est déjà un concept qui avait été fait pour le salon d'Equitalion avec Anne et Lisa. Oui. Et du coup là on l'a refait avec Paris, donc vous allez voir ce qu'on en pense par rapport à Equitaine. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous dans le noir et à bientôt pour une prochaine vidéo.